On se retrouve aujourd'hui le 22 mai, mercredi, pour ouvrir mon petit quotidien numéro 23. Alors là, j'ai été perturbée d'un coup, je sais pas si vous avez vu, quand j'ai allumé ma caméra, il s'est mis à faire sombre d'un coup, ça m'a sorti de ma caméra. Bref, heureusement que je suis allée sur le marché avant de faire les vlogs. Là, je risque pas de ressortir aujourd'hui, je crois, à moins qu'Hélène m'appelle. Mais bon, on verra. Pour l'instant, je suis avec vous et je vais vous donner mes petits objectifs du jour. Tout d'abord, donc ce que je porte, mon Jovellana, donc pull que j'ai testé en octobre 2022, je crois, pour Malora et Tricot, Coraline. Donc, c'est une de mes teintures. Donc, j'ai teint de la Plotulopie naturelle et un fil de mohair. Ce qui fait que le fil de mohair, on voit, il n'a pas pris du tout de la même façon et ça fait ces très belles nuances. J'adore. Franchement, j'aime beaucoup ma teinture. C'est un, malgré l'épaisseur de fil, je ne le porte pas souvent parce que l'encolure est très dégagée et qu'il y a de la dentelle. Donc normalement, on pourrait se dire c'est un pull d'hiver, mais non, non, non. Moi, l'hiver, je peux pas, j'ai froid avec ça. Non, là, il fait une quinzaine de degrés. Pour l'instant, ça va, mais s'il pleut toute la journée, je vais vite remettre un, je vais vite remettre un gilet par-dessus, je pense. Donc, il est très simple à faire. On a une bande de dentelle que l'on répète autant de fois que l'on veut, donc sur le pull. Ce qui donne à la fin, si on termine par la bande de dentelle, ça donne des petites vaguelettes. Et entre ces bandes de dentelle, on a du jersey, tout simplement. Très simple à faire. C'est une coupe boxy, hein, donc droite. J'aime beaucoup les coupes droites comme ça parce que bah, elles sont faciles à travailler, je trouve. Tout simplement, il n'y a pas de calcul de raglan à faire, de yoke, machin. On monte les mailles du dos, on tricote le dos jusqu'aux emmanchures. On reprend des mailles d'un côté, devant, hop, on refait pareil, même longueur. Ensuite, on rejoint tout en rond, on tricote le corps, puis après, on a les manches. Et c'est donc ce qu'on appelle des manches tombantes. Puisque les manches arrivent là. En fait, le corps arrive là et les manches commencent à ce niveau-là. Je pense que j'ai prévu de designer une robe dans cette construction. Je vais m'éclater. Voilà, j'ai déjà le modèle en tête, il est dessiné, j'ai les laines qui sont bobinées. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Je pense que je vais la faire. Alors là, je suis en train de faire donc la capeline, un top. Après, j'aimerais bien mettre sur mes aiguilles une paire de chaussettes. Ensuite, au niveau design, hein, je vous parle. Hein. Ensuite, j'aimerais mettre une couverture. Puis le châle. Pour le calendrier de l'Avent, donc de Laura, de Woolbags, puisque pour rappel, je vais designer le modèle du calendrier de l'Avent de Woolbags de cette année. Et une fois que j'aurai fait ce châle de calendrier de l'Avent, alors j'ai un autre châle en tête, mais il viendra après, je pense. D'abord, je vais faire la robe. Parce que la robe, étant donné qu'elle est plus longue à tricoter, si on la veut pour octobre-novembre, il faut s'y prendre début septembre, je pense. Donc, je pense que ce sera le patron que je vais sortir en septembre, la robe. Voilà. Donc, y a du boulot. Surtout qu'octobre, j'ai un gros projet. Enfin, un gros projet scindé en plein de petits. donc, là, on est quoi? Donc, juin. Il y a la capeline qui sort. Juillet, ce sera le top. Août, ce sera une paire de chaussettes. Ah ouais,
Donc non, ce ne sera pas la paire de chaussettes. Août, ce sera la couverture, je pense. Parce que commencer une couverture en été, c'est super. Pourquoi? Parce que on commence petit pour grandir. Donc, au fur et à mesure que vous allez avancer votre couverture, vous allez vous retrouver dans les jours plus frais. Et je me dis que c'est pas mal de commencer une couverture en été. Voilà. Et on se prépare à l'automne, à l'hiver, etc., etc. Donc, au niveau design, je suis... tout est calculé déjà. Il faut juste que je mette tout ça sur mes aiguilles. Voilà. Donc là, peut-être je vais monter la couverture avant les chaussettes parce que les chaussettes, ce sera pour plus tard. Donc après le top, je commence ma couverture. J'ai aussi prévu de faire un autre châle. Mais ça, on verra, ce sera je pense, pour novembre, le châle. Donc jusqu'en novembre, j'ai... tous mes designs qui vont sortir. Reste plus qu'à les tricoter, à faire les protos, à faire les tests et tout et tout et tout, et à vous les proposer. Voilà. Donc voilà ce que je porte aujourd'hui. Il est très simple à tricoter. Elle l'a fait aussi en peau-tulipe, doublé de kit silk mohair. Moi, c'est doublé juste de mohair. C'est pas de la kit silk. Enfin, c'est pas de la drops. C'est un kit silk, mais un mohair soie, mais non teint que j'avais acheté chez By Night. Parce que quand on lui achète le mohair non teint, elle ne compte pas le prix de la teinture dessus. Ce qui fait qu'on l'a un peu moins cher. Et moi, du coup, je l'avais teint dans mon bain de rouge. Pour et j'adore, j'adore, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Par contre, la plotulopie pour la teindre, j'avais galéré parce que, comme vous le savez, elle est, comment on dit? Elle est vendue. C'est pas ça que je voulais dire, mais bon, elle est vendue en galette. Et du coup, je peux pas teindre la galette. Il fallait que je la mette en écheveau d'abord. La galère pour mettre de la plotulopie en écheveau, puisque ça se casse, hein. C'est la plotulopie, donc c'est normal. Donc quand je tournais, si je tournais trop fort, ça me cassait ma plotulopie. Donc j'ai plein de raccords, j'ai dû baver plein sur ma laine. Voilà, mais au final, j'y suis arrivée. Donc la prochaine fois que j'ai cette magnifique idée de reteindre de la plotulopie naturelle, peut-être je la tricote d'abord et après je teindrai le pull. Ce sera peut-être plus simple. Voilà. Parce que faire un écheveau de plotulopie, c'est pas de tout repos. Alors, mes objectifs du jour. Donc, défaire mon col pour essayer de rattraper... les manches, finir les manches, essayer de finir les manches. J'espère que j'arriverai à récupérer assez de laine. Et là, mais je suis en train de défaire le col. Ah non, ça va. J'ai cru que je défaisais avant le col. Donc je vais défaire ce col qui de toute façon n'allait pas. Donc c'est peut-être un signe du destin, hein? Il fallait que je l'enlève ce col. Et comme j'ai pas assez de laine, je vais récupérer la laine de ce col. Voilà. Et je vais continuer donc mes manches. Et en fonction donc de ce que j'aurai besoin comme laine. Soit je décrochette aussi les côtes du bas. Je ne sais pas encore, hein, tout dépendra ce dont je vais avoir besoin. Soit j'ai assez et dans ce cas ça va. Donc là je suis arrivée au bout, je crois. Hein. Ouais. Faut que j'arrête de décrocheter. Sinon je vais décrocheter mon pull. Mais.
Donc là, voilà. Donc là, j'ai mon col initial sans avoir refait le col. Sans avoir fait de finition. Donc, j'ai récupéré ça. Pour finir mes manches, je pense pas que j'aurai assez. Donc, je vais essayer de finir. Je vais essayer de d'amener la deuxième au même niveau que la première. Déjà là, j'ai un peu peur. Bon, ce qu'il y a de bien avec le crochet, c'est qu'on peut défaire. Je peux redéfaire un ou deux tours de celle-ci sans tout démonter pour remettre là. Donc voilà ce qu'il me manque. On verra. On verra jusqu'où je peux aller avec ça. Si j'ai pas assez, est-ce que je redémonte un peu de manches ou est-ce que je redémonte les côtes pour les refaire en contrastant? Je sais pas. Je sais pas. Bref. Ça m'embête ce truc. Donc le col, je vais le refaire en contrastant, c'est sûr. Puisque de toute façon, il n'allait pas. Et du coup, à force de récupérer des petits bouts de laine un peu partout, j'espère le finir. Alors aujourd'hui, peut-être pas. Peut-être demain, je pense. Demain, faut qu'il soit fini. Il m'énerve. Voilà. Non, mais il me reste pas grand-chose en vrai. Donc peut-être que demain. En tout cas, fin de semaine, c'est sûr, il est fini. Parce que là, je suis sur la fin des manches. Donc voilà. Donc objectif du jour, au moins essayer de tricoter ces deux petites boulettes, c'est sûr que ce sera fait. Faire le col et voir où j'en suis au niveau des manches. Peut-être finir une des deux manches, on verra. Ensuite, je vais avancer sur ma chaussette Infinity Cable Socks, donc de Lily. Donc mes tulipes sur les chagous, rien à dire, ça tient. Là, c'était juste Ah! J'arrive pas à parler! C'était juste sur les addicts, ça n'allait pas pour l'instant. Je vous ferai des retours en fonction des aiguilles que j'ai utilisées. Ah oui, j'ai des Yaya. Mais les Yaya, elles sont sur ma chaussette. Alice au pays des merveilles. Donc, je mets pas de bouchon dessus. Donc, la prochaine fois, peut-être j'échangerai. Peut-être je ferai la mienne en Yaya et celle de chérie en Chagou pour pouvoir tester les tulipes sur les Yaya. Voilà, donc objectif, je sais pas, finir la tige. Peut-être. Voilà, je vais voir combien de temps je me mets dessus. C'est pas urgent, hein, j'ai jusqu'au 15 juin, donc pas urgent du tout. Ensuite, filage. Je vais pas me donner un gros objectif aujourd'hui. Je vais pas filer, je pense pas. Je vais juste mettre ça en cake, je pense. Comme ça, demain, je file le bleu. Et aujourd'hui, en plus, il faut que je fasse le récap de tout ce que j'ai en filage. Donc, ça va me prendre un peu de temps. Du coup, je vais pas filer. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer. Il me manque 14 tours sur ma capeline. Je vais essayer de finir ma capeline aujourd'hui. Voilà. Comme ça, demain, je passe à mon top et ça avance pour les designs. Parce que le top, j'aimerais lancer le test début juin, vers le 5 juin. Il va être rapide à tricoter, donc voilà. Pour une sortie début juillet. Ça fait un mois, 3 semaines, un mois de test. Pour un top, je pense que c'est bon. Ensuite, je voudrais avancer là-dessus. Je vais le prendre longtemps, 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 longtemps. Non, mais je pense que je vais le prendre dans la journée, histoire de l'avancer plus vite aussi. Voilà.
Bah, tricoter. Donc là, je suis sur le 12e rang. 12. Il faut que je retienne, j'ai rien noté. Je suis complètement folle, moi. J'ai rien noté. Et est-ce que j'ai un moyen de savoir? Là, peut-être, en dessous des rangs raccourcis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle me dit 10. Ils me disent 10, les rangs raccourcis. Est-ce que j'ai fait que 10 tours ou 12? Hein? Bon, après, on n'est pas à 2 tours près. Hein? Donc voilà pour le field qui avance quand même bien. Hein? C'est juste qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de mailles. Voilà. Donc ça n'avance pas aussi vite que si je le faisais pour moi. Voilà. Tout simplement. Ensuite, et ben ensuite, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Donc je vais vous laisser là. Et je vous retrouve tout de suite pour vous et demain pour moi. Je vais peut-être arrêter de filmer en deux fois comme ça si j'arrive pas à régler le problème de décalage de son quand on reprend la deuxième vidéo. Je vais essayer de faire une vidéo. D'abord, j'essaie de contacter le service après-vente de mon logiciel de montage pour voir s'ils peuvent me dire de quoi ça vient. Parce que c'est quand je fais du montage en fait. Donc quand je mets plusieurs vidéos les unes à la suite des autres, ça décale le son sur la dernière. Apparemment, c'est ça le problème. Et c'est pas pour tout le monde en plus, donc je ne sais pas. Moi, il faudrait que j'aille voir un de mes vlogs pour voir si j'ai le décalage ou pas. Je vous dirai ça. Aujourd'hui, je vais essayer de prendre le temps d'aller regarder un bout de vlog. Et celui d'hier, parce qu'il y a des personnes pour qui il n'y avait jamais eu de décalage et hier, il y en a eu. Donc, j'allais voir celui d'hier. Ah oui, mais hier, j'ai mis plein de vidéos. Il y avait les crêpes, il y avait... Ouais, bah voilà. Bah, je pense que c'est le problème. Donc, si jamais le problème vient du fait que je mette plusieurs vidéos pourtant... Quand je faisais des vlogs à la semaine, il y avait une vidéo tous les jours, même plus quoi. Il y avait 6-7 vidéos à suivre et jamais j'ai eu de problème. Je sais pas. Je vais voir, je continue de creuser. Il faut... voilà, bon, bref. Allez, je vous laisse. Bisous, à plus tard. Alors, je suis en train de crocheter donc ma manche. J'ai recroché donc ce que j'avais enlevé du col et voilà ce qu'il me manque pour finir ma manche. Enfin, pour arriver au même endroit. Donc, je pense que je vais décrocheter deux rangs d'ici. Ou un. Enfin, jusqu'à là. Et le remettre sur l'autre manche. Et ensuite, bah, je finirai avec... Alors, c'est mitigé pour l'instant entre le violet et le rose. Donc, est-ce que je fais peut-être des rayures? Je ne sais pas. On verra la suite au prochain épisode. Alors, je vous retrouve donc pour faire le petit récapitulatif de ce que j'ai déjà filé. Donc, comme je vous avais dit pour le gilet Onésime que je vais tester donc pour Ivy Créa. Donc, je vous les mets. Alors, ils sont dans l'ordre chronologique comme ça. Ça, c'est le plus ancien. Et ça, le plus récent. C'est bizarre parce que c'est ce que j'ai refilé là. Ah non, j'ai... Non, 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 non. Non, non, je vais trop vite. Ce que j'ai filé là, c'est celui-ci. Donc, le premier, j'ai 9,9 grammes. Donc, je vais calculer en même temps combien ça me fait. Hop, 9,9. Ensuite, 20. Ensuite, 10. Ensuite, 11,7. Ensuite, 13,9.
Ensuite, ah bah ça, je n'ai pas pesé, donc on va peser. On a 15,6. Je vais le noter en même temps. Donc, hop, 15,6. J'aurais dû prendre mon trépied. Bon, c'est pas grave, je saurais que c'est le premier. Donc 15,6. Ensuite, celui-ci. J'ai 13,6. Et le dernier. 13,5. Donc, en tout, j'ai 9 et 9, 18, 18, 18, 18, 18, 20, 25, 25, 30 et 12, 42. Ça fait 13, 14, 17, 20, 25, 28, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'ai 118,2 grammes pour l'instant. Voilà. Donc, bah, je peux continuer à filer. Je peux continuer à filer. Donc, je vais refiler du premier, là, du vert, parce que j'en ai pas beaucoup. J'ai que 9,9 grammes, c'est celui que j'ai le moins. Celui-ci, j'en ai assez et j'en ai refait, donc je pense que ce sera bon. Celui-ci, je peux en refiler aussi. Donc, faudrait que je... Ouais, bon, je saurai de toute façon lesquels j'ai à refiler. Donc, les deux-là, j'ai à refiler. Celui-ci, je peux en refiler aussi. Ah ben non, j'ai aussi celui-ci. Donc là, ça me fait en tout 20 grammes. Ouais, donc si j'avais à peu près 20 grammes de chaque, ce serait bien. 20 grammes de chaque couleur, ce serait pas mal. Donc il faudrait que je refasse un 10 grammes comme ça. Un 10 grammes comme ça. Ça, c'est bon. 7 grammes à peu près de comme ça. 5 grammes de comme ça. 7 grammes de comme ça, il faudrait que je refasse. Voilà, et après, je pense que je pourrais commencer à filer, à tricoter, puisque ça me ferait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ça me ferait 280 grammes, si je ne me trompe pas. Puisque j'aurai 20 grammes par coloris. On est... Non. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non. Ça me ferait 140 grammes. Ça fait pas beaucoup, hein. Faut encore que je file, du coup. Il faut... Ouais, bah du coup, ouais, je peux continuer. Bon, bah voilà, c'est cool. Mon filage n'est pas terminé. Donc, voilà l'ordre. Donc là, on va de la manche jusqu'à l'autre manche, comme ça. Et donc, après, je vais refaire en miroir. Alors, je sais pas encore exactement comment je vais m'organiser, où je m'arrête. En fait, si, il faut que je commence à tricoter parce que il faut que je sache où la manche va s'arrêter et ce que le corps va me prendre. Parce que ça, je pense que pour le corps, ça peut-être pour la manche, j'aurai assez, mais ça, est-ce que j'aurai assez pour le corps? Je ne pense pas. Donc, en fait, il va falloir que je commence à tricoter. Pour me rendre compte de ce que je tricote dans 20 grammes, dans 20 grammes, voilà, puisque j'aurai à peu près 20 grammes par coloris, voir où j'arrive avec 20 grammes, et ensuite, quand j'arriverai à la moitié du dos, repartir en miroir. C'est ouais, donc ça va bientôt monter sur mes aiguilles. Voilà, et bien, c'est tout pour aujourd'hui. Donc là j'ai 118 grammes, bah voilà, mon aventure filage ne s'arrête pas là. À plus tard.
Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le jeudi 23 mai et je viens clore avec vous mon petit quotidien numéro 23. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier. Donc déjà, j'ai mis ça en pelote, enfin en cake. Je vous ai fait une petite vidéo sur ce que j'avais fait en filage. Donc vous avez vu juste avant normalement tout ce que j'ai déjà filé pour mon gilet Onésime. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc j'ai fini mon design. Il est juste là. Je vous montre pas tout de suite. Je vous le montrerai le jour de sa sortie, qui est pour très 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 bientôt. Voilà, vous n'aurez pas beaucoup à attendre. Ensuite, mon fameux Basic Breed. Alors, bon, je savais que je n'aurais pas assez. Donc, j'ai pris la décision de... Ben, j'ai défait le col déjà, comme vous l'avez vu. J'ai remis ce que j'avais pris du col dans la manche, mais ça n'a pas suffi. Donc. Voilà ce que j'ai fait. J'ai fait des rayures et comme je ne savais pas me décider entre le violet et le rose, et ben j'ai mis les deux. Voilà. Et là, j'aime bien. J'aime beaucoup. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Du coup, là, il me manque encore, on va dire, à peu près ça à faire. Deux rayures de chaque couleur sur cette manche. Puis après, je devrais rattraper... je vais faire des côtes après aussi, quand même. Puis, je vais rattraper la longueur de celle-ci, puisque maintenant, celle-ci est plus longue. Voilà. Donc, je l'ai essayé hier. Ouais, c'est encore un peu petit les manches. Hop. Oh, je suis en train de tout démonter. À chaque fois, je démonte ma dernière bride. Alors, oui, Lily, je peux mettre un, un progress skipper dans la maille. Mais voilà, moi, je préfère tirer la boucle. Donc voilà où j'en suis. Alors j'ai pas tout à fait réussi à récupérer la longueur. Hein. Mais bon, je me dis que ça se verra pas quoi. Tant pis. Tant pis. On porte pas quand on marche pas les bras comme ça. Hein. Donc bon, c'est comme ça. On verra pas à une. Il y a quoi? Une rayure près? À peu près? Ouais, et encore. Une rayure près, donc ça va. Hein. Franchement, j'ai bien... Je trouve que j'ai bien géré, là, sur ce coup-là. J'avais pas envie de redéfaire mes côtes. Donc, je les ai laissées. De toute façon, même avec les côtes, je pense que j'aurais pas pu finir mes manches. Donc, ça servait à rien, de toute façon. Du coup, voilà, j'ai fait comme ça. Et là, bah, on arrive à la fin du pull, là, maintenant. Donc, il me restera le col à reprendre, du coup. Mais au moins, il est comme au début, je n'y ai pas retouché. Enfin, il est comme au début. Il est... Puisqu'on monte, on commence par le col, donc voilà. Donc là, faut que je vois comment j'arrange le col pour ne pas refaire comme la... Comme la première fois, ou je sais pas, est-ce que, je sais pas, à voir, faut que je regarde le patron, parce que je crois que pour le col, elle propose plusieurs finitions, il me semble, soit petit col, soit grand col, mais là, je le trouve déjà énorme, quoi, et le pire, entre guillemets, c'est qu'il est carré, quoi, enfin, c'est là ce trou qui me... Ou alors, il faudrait que je remonte juste des mailles comme ça. Pour le faire un peu moins carré. Mais du coup, ça va se voir énormément. Puisque là, je vais changer de couleur par contre. Je vais faire en rose et violet.
Est-ce que je refais en rayures? Ou alors je fais un espèce de grand col roulé comme ça, je le replie. Si je le replie, est-ce que ça peut faire mieux? Ah, peut-être. Ah, peut-être le replier, tout simplement. Le porter comme ça. Faudrait que je l'essaie comme ça pour voir ce que ça donne. Je ne sais pas trop, on verra. Mais là, je pense que c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Par contre, bah là, on aura l'envers du travail, mais c'est pas grave. Là, je préfère largement avoir l'envers du travail. Replié comme ça fait un petit effet chemise. C'est peut-être beaucoup mieux comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Pour le col. Col simple, faire un rang de bride avec des diminutions au niveau du raccordement du décolleté. Ok. Donc, on fait les diminutions. Ici. Et ici. Non, c'est ici les diminutions. C'est ici. Quand on part comme ça, on fait des diminutions. Sur ces mailles-là, sur les creux en fait. Col en côte. Si vous souhaitez un col plus resserré, après ce premier rang de bride, ajoutez 4 rangs. Et on peut faire des côtes. Ok. Et on peut continuer à volonté pour avoir un col plus haut. Donc, peut-être je vais faire un col plus roulé en fait pour le retourner à voir. Voilà, donc on verra. Je verrai ça. Donc, bon, déjà, mon problème de manque de laine est réglé. C'est le principal. Voilà, le col, je savais qu'il me poserait problème, donc je verrai. Ensuite, qu'ai-je fait d'autre? Donc sur mon design, bon, je vous le montrerai plus tard. Il me reste ça de mes deuxièmes échevaux. Donc je pense que je vais faire un bonnet avec. Un bonnet qui reprend la bordure, je pense, de la capeline. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait grand-chose hier. Parce qu'en fait, ouais. Là, il va être tout petit le vlog, mais peut-être ça va arranger les histoires de décalage. On va voir si c'est, si le fait que ce soit plus court, ça enlève le décalage. Donc, j'ai pas mal travaillé sur mon basic bride, donc le matin. L'après-midi, j'ai fini mon design. Et j'ai même pas eu le temps de toucher à la chaussette de Lily. Et le soir, eh bien, j'ai avancé sur le field. Voilà, j'étais trio en courrière. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait hier soir. Donc j'ai bien avancé, je suis contente. Oui, parce qu'il y a ça, mais fois quasi 400 mailles. Hein. Donc, donc voilà, le corps s'agrandit.
Donc là, j'étais à 12 sur les 26 rangs de jersey que je dois faire. 12, donc 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 18. 18 ou 19? 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je suis sur le rang 20. Donc il me reste 6 rangs à faire. Et je sépare les manches du corps. Donc ça, ce sera fait aujourd'hui. Et j'ai même essayé de le faire avant ce soir. Histoire que ce soir, bah, que j'ai pas à emmener, enfin, à avoir des tas d'aiguilles en transit. J'aime bien laisser mes aiguilles ici. Histoire d'avoir déjà séparé, en fait, d'avoir fait la séparation corps-manche pour ce soir. Voilà ce que je veux faire aujourd'hui. Donc 6 rangs. Donc c'est quand même assez long. Est-ce que je vais reprendre mon design aujourd'hui? Peut-être pas. Peut-être que mon nouveau design, je vais pas le prendre aujourd'hui et que ce matin, je vais faire ça à la place. Pourquoi pas? À voir, à voir. Voilà. J'aimerais bien le finir rapidement. C'est beau, hein? Oh là là. Je me dis que j'avance pas parce que je fais pas beaucoup de rangs par soir. Mais à le voir comme ça, je me dis que depuis que j'ai arrêté, que j'ai fini le motif, bah quand même j'en ai fait, hein. On en voit des centimètres de jersey en dessous, hein. Et en plus ça roulotte. Donc il y en a encore plus. Voilà, ça fait ça. C'est magnifique. Voilà. Bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, du coup. En filage, je vous ai montré. Bah ouais, puisque j'ai pas retouché à la chaussette. J'ai bloqué, enfin j'ai lavé bloqué hier mes deux paires de chaussettes Infinity Earth Socks et les citrons, etc. Voilà, donc rien d'autre pour hier. Voilà, donc bah sur ce, je vais vous laisser. Si j'ai découvert un nouveau podcast, je vais vous en parler. Alors, YouTube, c'est... Que j'arrive à ouvrir mon... Oui. Non, pas deux onglets, ça sert à rien, deux onglets. J'ai dû appuyer deux fois sur ouvrir un nouvel onglet et il m'a ouvert deux onglets. Je me dis qu'il est pas rapide, mais en même temps, je lui demande de charger 50 000 pages en même temps. Donc. Historique. Sur mon design, il me reste les fils à rentrer et voilà. Et puis bah, finir de mettre au propre le patron, quoi. Donc, historique.
C'est l'aventurine. Voilà, donc je vous mettrai son nom sous la vidéo, enfin le lien vers sa vidéo. C'est son premier podcast. Alors elle fait tricot, couture et point de croix, il me semble. Ouais. Point de croix aussi, je crois. Elle habite vers l'Alsace, à Salzbourg. Sarrebourg, je crois. Sarrebourg. Voilà. Donc, hâte de découvrir ses prochains épisodes. Voilà. Et là, aujourd'hui, je vais regarder le podcast de Jomel Yarn. C'est un designer donc pour lequel je vais faire une paire de chaussettes en test. Et il a un podcast. Donc, pareil, j'en ai encore jamais vu. Donc, je vais regarder ça tout de suite après. Enfin, voilà, dans la matinée. Voilà, pas tout de suite après parce que tout de suite après, j'enregistre la première partie de demain. Mais il est dans ma liste à regarder et du coup c'est le premier que je regarde ce matin. Voilà, je vous mets aussi, ou je vous le mettrai demain puisque je l'aurai vu, ce sera plus facile de vous en reparler. Donc aujourd'hui vous aurez le lien pour le podcast de l'aventurine. Son prénom c'est... Est-ce qu'elle l'a dit? Je ne sais plus. Bref, c'est pas grave, allez regarder. elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait en tricot? Des chaussettes, il me semble. Je crois pas qu'il y ait de grosses pièces. Alors, moi, je regarde les podcasts sans trop écouter parce que je sais pas de quoi elle a parlé. Je me souviens des tissus qu'elle a montré pour la couture, parce que c'est à la fin du podcast, elle a montré des... Elle va faire des pyjamas avec un tissu coquillette dessus, avec des petites pattes, et un Reine des Neiges, donc ça j'ai retenu. Mais au niveau du tricot, je sais plus ce qu'elle a fait. Ah si, elle a fait une paire de chaussettes à son chéri de Célène. Dans des bottons bleus. Et quoi d'autre? Est-ce que tout le monde n'est pas multi en cours? Est-ce qu'elle aurait montré que ça? Bah, je ne sais plus. Voilà, allez voir et vous me direz. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. À tout à l'heure si vous venez en live. Et à demain si vous ne regardez que les vlogs. Salut!